Content de te rencontrer, hein. Bonjour. Grégoire nous disait justement à quel point vous êtes toujours aussi fan de notre sport. Voilà, oui. Eh bien, messieurs, s'il vous plaît, je vous présente la merveilleuse, la délicieuse Fabienne Berthaud. Mais moi, j'aime que le rugby. Vous jouez pas au foot, quand même. Si, quand même. On nous a dit que vous-même pratiquiez. Je joue pas de ces balles-là. Comment ? Moi, je sais que vous avez été une grande footballeuse féminine, évidemment, de toutes les équipes de France féminine. Vous pouvez me rappeler votre palmarès ? Alors écoutez, j'ai pratiquement failli être championne du monde avec Lyon. Je suis désolé, c'est un peu gênant, mais est-ce que vous voudriez, comme ça pour nous, juste faire quelques jongles pour avoir le plaisir de voir une star du foot féminin jouer ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors attention, attention les garçons. Là, ça va envoyer, hein. Bravo Fabienne, bravo. Mais Fabienne, pourquoi avoir subitement arrêté de jouer ? Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de jouer ? Parce que j'ai rencontré une autre femme avec laquelle je me suis paxée et qui a dit il faut choisir entre le foot et moi. Et je l'ai choisi elle. Eh oui, bien sûr. Ce qui est formidable avec Fabienne, c'est qu'elle s'est reconvertie en styliste sportive. Et la meilleure. Bien sûr, d'ailleurs, n'oublions pas pourquoi nous sommes là. Nous vous avions demandé, Fabienne, de réaliser, de concevoir un nouveau look pour notre équipe de France. Eh bien, voilà. Je voulais justement qu'on parle du thème de couleur. Juju. Alors, nous avons souvent vu du bleu et blanc, ou blanc et bleu. C'est vrai. Et Fabienne a eu un concept incroyable. Oui. Ah oui. Mais ça, c'est, finalement, c'est très rugby. Hein. C'est un peu stade français, ça. Hein. Elle veut mélanger les gens. Oui, mais justement, en quoi ça représente notre équipe de France, ces couleurs ? Eh bien, alors attendez, il y a Hollande qui est au pouvoir avec les verts. Ah, d'accord, c'est ça, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr, évidemment. Ça me paraît assez logique que ce soit l'équipe de... Il y a une sous-lecture. Ah, mais voilà, c'est toujours... Non, mais c'est ça qui fait ma force. Mais c'est que j'ai toujours plusieurs niveaux de lecture. Alors, il y a les cons qui ne le voient pas, mais... On l'avait vu. Il y a aussi... Nous, on l'a tout de suite vu. Par contre, vous ne trouvez pas que ça fait un peu chochotte ? Pardon ? Ah, mais pas du tout. Qu'est-ce que vous avez ? Vous ne seriez pas homophobe, par hasard ? Absolument pas. Ah bon ? Non, j'espère. Quand même. Montre-leur le prototype. Alors, voilà, je pense, une façon de faire découvrir le football à tout un public, mesdames, messieurs, qui jusqu'ici ne s'était pas tellement impliqué dans le foot. Alors, ce qui est évidemment la Magic Touch, c'est la petite banane, ici. Petite banane qui permet d'avoir la boîte de préservatif parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Parce que ça, c'est quand même le là aussi, c'est la magie de touche. Alors, peut il y a demander, une Fabienne. Partie convenable. Je vous propose évidemment de ne pas vous tromper de sens et de ne pas mettre ça devant, hein, évidemment. Bien sûr. On peut vous demander, Fabienne, à quoi servent ces deux découpes au niveau de l'arrière du short ? C'est justement pour plaire aux supportrices. Très bien, merci, Fabienne. Je pense que j'ai fait un assez joli travail de création. C'est original, vraiment. C'est bien. Hein, au-delà de nos espérances. Exactement. Très bien. Ouais. Vous pouvez vous retirer, jeune homme. Oh, mais non, mais, non, mais non, faites-nous un petit défilé. D'accord, allons-y. De long en large, de... Oh. Ah oui. Ok, ok. Ah, c'est vous vous sentez bien, monsieur ? Ça nous gratte un peu, en fait. Tu l'as fait en quelle matière, Fabienne ? Alors, tout est en polyester, en véritable polyester. Non, Fabienne, tu sais très bien que je suis allergique au polyester. C'est volontairement que je l'ai fait.
Non, mais je veux tester la capacité de résistance de mes mannequins joueurs. On connaît l'équipe de France, hein. Dans les grandes circonstances, on est sûr qu'ils sont aux abonnés absents. J'ai été à Naïs Nage, j'en sais quelque chose. Bon. Alors, je me suis dit, finalement, il faut tester si ces types peuvent résister dans l'adversité. Évidemment, je savais que ce pauvre imbécile ne supportait que le coton, la soie, le lin. Et j'ai décidé, il y aura du polyester, parce que s'il résiste au polyester, il résistera aux Italiens, aux Espagnols, enfin tous ceux qui battent l'équipe de France, c'est-à-dire tout le monde. Bien sûr. Bien sûr. Ça se tient, ça se tient. Il y a quelque chose qui fait tilt, vous vous connaissez, vous? Oui, comment elle pouvait savoir que vous n'aimiez pas le polyester? Je ne comprends pas. Fabienne? Eh bien, en fait... C'est mon fils adoptif. Non. Fabienne, oui. Tu m'as rien dit. Voilà. Non, Fabienne, tu peux dire ce que tu veux, mais je suis pas ton fils adoptif. Et en fait, j'en ai marre de faire le mannequin cobaye, tu vois. Donc, s'il te plaît, maintenant, je veux que tu leur dises la vérité, Fabienne. Dis-leur la vérité par rapport à moi, s'il te plaît, Fabienne. Quand j'ai rompu avec ma fiancée, voilà. Je me suis dit qu'il fallait que je me reconvertisse dans l'hétérosexualité. Oh. J'ai donc fait appel à Mythique. Et je l'ai rencontré, voilà. et nous nous sommes mariés. Voilà. Voilà. Ça fait 8 ans. Fabienne, tu m'as menti, hein? Oh. Tu m'as dit que c'était juste ton plan cul régulé. Tu m'as dit que c'est moi que tu voulais épouser. Non, mais tu comprends. D'abord, je viens de me refuser à lui. Tu l'as vu. C'est bien toi que je préfère. C'est vrai? Oui. Non, mais moi, ça me dérange pas. De toute façon, on a toujours dit qu'entre nous, c'était pour le plaisir. Donc on voilà, est d'accord. Ah, très bien. Voilà. Et toi, tu me demandes rien? Ah, non, mais moi, je sais déjà ce qu'on a ensemble. J'ai pas besoin d'accord. de savoir plus. Attends. Excuse-moi. Non. Excuse-moi, c'est quoi le délire? C'est qui, eux, en fait, Fabienne, là? C'est-à-dire, moi, j'ai pensé que dans toutes ces évolutions que nous avons vécues dans notre société, il convenait de passer à la vitesse supérieure. Je vous présente donc 1, 2, 3, 4, mes 5 maris. Fabienne! Mais convient de... Non, mais ne soyez pas jaloux! Fabienne! Ne soyez pas jaloux, je vous aime tous infiniment! Oh. Il faut lui donner de l'eau, là. Fabien, il faut de l'eau, là. Bah oui, vite. Donnez. Attends, mais non, tu vas y aller. Non, mais laisse-le crever, on s'en fout. Mais non. Fabien, on s'en va, toi et moi. Mais pas tous les deux. Mais enfin, aidez-le, vous voyez bien que ça ne va pas du tout. Ça va, allez. Ça va, allez. Fabien, donne-nous une bonne raison de valider cette tenue. Ouais, c'est pas faux. Alors, attendez. Oh!